Bonjour à tous, voilà, ça marche bien. Donc oui, j'ai eu la chance, étant le plus vieux de la bande, j'étais celui qui avait le plus de mètres carrés, et donc j'ai eu la chance d'être le témoin des premiers pas de WeShare, et donc c'est dans ma cuisine et parfois dans mon salon qu'on a pu se réunir. Ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a à peine plus d'un an, WeShare tenait dans une cuisine, et aujourd'hui, ben, c'est sur plusieurs continents, c'est même en Syrie, j'ai vu ça récemment. Des gens du monde entier se réunissent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de commencer. De quoi témoigne le succès de WeShare, au fond? De, bien sûr, l'attrait du collaboratif, mais aussi de l'extraordinaire vitalité des initiatives qui adoptent un mode de fonctionnement collaboratif. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On le sait, la dynamique collaborative, donc toutes ces plateformes de partage, d'échange, de troc, ont commencé à transformer notre manière de nous loger, notre manière de nous déplacer, de nous vêtir, de nous alimenter, de nous former. Et la question que je pose, c'est pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On a investi avec beaucoup d'intensité la mise en commun, le partage de tout ce qu'on possède, nos voitures, nos appartements, notre connaissance, nos expériences. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et mettre en partage une partie de nos identités? Si on réussissait, par exemple, à faire progresser la confiance au sein des couples, au sein des familles, au sein des nations, comme on sait faire progresser la confiance au sein des plateformes de partage, ben notre bien-être à chacun s'en trouverait fortement augmenté. Évidemment. Et notre capacité à coopérer au sein de ces communautés, que sont les communautés familiales, les communautés nationales, les communautés syndicales, les communautés professionnelles, s'en trouvent elles aussi augmentées. Puisque la dynamique collaborative à l'œuvre autour des plateformes de partage contribue à humaniser notre manière d'être qui nous sommes, pourquoi ne pas l'appliquer au-delà de ce cercle dans lequel on l'a jusqu'ici appliqué? Et pourquoi on ne se dirait pas que pour être citoyen, pour se préparer à mourir, pour aimer, pour être soigné, pour tous ces besoins qui sont aujourd'hui négligés, est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'avoir l'appui de ces dynamiques collaboratives? Et c'est là qu'on tombe sur les institutions. Parce que quelque chose bloque, quelque chose fait écran à ce que les couples, les familles, les prisons, les écoles se mettent en mouvement et tirent elles aussi parti de cette dynamique collaborative. C'est qu'on a affaire à des institutions. Les communautés traditionnelles sont prises en charge par des institutions. Les institutions, donc, j'en ai parlé, sont le couple, les syndicats, la religion, les partis, les nations. Et c'est en bonne partie de leur faute à ces institutions si on se fait la guerre. Ce sont leurs déficiences qui entravent notre développement individuel. On peut toujours s'en prendre au hasard, aux mauvaises rencontres. Mais à un moment donné, il faut regarder les statistiques et se dire, ça ne marche pas, ces institutions ne marchent pas, la prison, ça ne marche pas. Les syndicats même sont en crise. La plupart des grandes communautés traditionnelles sont des machines à créer de la défiance, de la paranoïa, du dogme, à nous faire jouer des rôles, à nous éloigner de nous-mêmes, à nous faire adopter des masques. Donc toutes ces institutions qui nous paraissent un petit peu naturelles ou sacrées ou éternelles, c'est difficile d'appréhender le couple comme une institution construite, comme une création humaine, comme quelque chose de conventionnel au fond. Eh bien en fait, ces institutions, on peut les appréhender comme des biens communs, comme des choses qui nous appartiennent et sur lesquelles on a la main. Et ce n'est pas parce que la genèse de ces institutions est nimbée de mystères ou méconnue qu'il faut s'inhiber et s'interdire de se les approprier et de les investir de la même manière qu'on est en train d'investir la politique, la démocratie avec des nouveaux outils. Donc, puisque ces institutions nous prescrivent des modèles de réussite, des schémas comportementaux, des idéaux, des idées du bonheur, il faut à un moment donné appliquer la dynamique collaborative aux institutions pour voir ce que ça donne. Mais il y a un préalable, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui distingue les communautés traditionnelles des communautés
collaborative. Ce que j'appelle les communautés traditionnelles, ce sont les communautés basées sur les institutions. Alors quand on parle des dynamiques collaboratives, on parle souvent des bénéfices sociaux, environnementaux, économiques. Moi, je vais essayer de m'intéresser à ce qui distingue, sur un plan un peu morphologique, sociologique, les communautés traditionnelles, que j'ai donc évoquées, hein, et puis les communautés collaboratives, celles qui fleurissent autour des plateformes de la consommation collaborative ou du collaboratif. J'ai identifié quatre traits caractéristiques qui me paraissent décisifs pour l'amorçage de ces dynamiques collaboratives et pour les appréhender adéquatement. D'abord, ces communautés collaboratives, elles répondent à un besoin spécifique en général. Rendre la mobilité moins coûteuse, mieux s'alimenter, pouvoir réparer ses appareils électroménagers, laver son linge de manière conviviale. Donc le besoin qu'elles servent est spécifique. Et parce que ces communautés collaboratives répondent à un besoin spécifique, on va pouvoir évaluer leur performance, elles vont pouvoir progresser, elles vont pouvoir évaluer en permanence combien elles réussissent à atteindre leur objectif, qui est de servir une aspiration, un besoin spécifique. A contrario, la plupart des communautés traditionnelles, on est absolument incapable de spécifier leur objet. À quoi sert la religion? À quoi sert la nation? À quoi sert même la constitution? La plupart des institutions sont des héritages et elles existent. Et on ne sait pas véritablement la vocation qu'elles servent. Même une institution comme l'école, on peut dire c'est pour apprendre à lire et à écrire, mais en fait c'est aussi pour garder les enfants, pour les nourrir à midi. Enfin, il y a un cumul de fonctions absolument extravagant. Et du coup, à un moment donné, l'institution acquiert une forme d'autorité. Elle n'est plus là pour répondre à un besoin ou à une aspiration. Elle est là parce qu'elle est là. Le second trait caractéristique qui distingue les communautés collaboratives des communautés traditionnelles, c'est que les communautés collaboratives, elles s'envisagent comme des ressources. Elles ne s'envisagent pas comme des autorités. Des ressources, ça veut dire qu'elles sont là pour le bien-être, pour l'épanouissement des individus. Dans les communautés collaboratives, c'est toujours un choix de s'inscrire. Donc ça passe un peu inaperçu, mais en fait, ce sont des communautés dans lesquelles, de manière souveraine, libre, on s'inscrit. Et on est libre d'y chercher ce qu'on veut. On est libre d'être complètement sélectif. On peut décider très librement des engagements qu'on va prendre au sein des communautés dans lesquelles on s'engage. On est très libre dans le choix des aventures auxquelles on a envie de contribuer. Et donc, on peut à tout moment s'en désinscrire. La plupart des institutions ont proscrit, ont banni cette possibilité de choisir librement le fait de s'inscrire dans une communauté. Et donc, elles ne se positionnent pas comme des ressources, mais comme des autorités. Quand on est, par exemple, issu d'une famille traditionnelle, il est extrêmement difficile de rejeter son appartenance. Et peut-être que dans cette salle, on se sent peu captif de nos cultures, mais il faut imaginer qu'une grande partie, sans doute la plus grande partie de l'humanité, est complètement captive de ces communautés dont je vous parle. Si vous appartenez à une communauté, enfin, si vos parents sont traditionnels, dans leur éducation, et que vous êtes musulman, juif, rome, arménien, chinois, c'est extrêmement difficile et extrêmement douloureux de vous émanciper de cette communauté. C'est culpabilisant, ça suscite de la peur, un sentiment de loyauté, de trahison. Et ces appartenances, elles sont héréditaires. C'est-à-dire qu'on fait partie, il faut imaginer transposer ça à Bedi-Kaza ou à Airbnb, c'est-à-dire que ça se transmet de père en fils. Parce que vos parents sont inscrits, vous devez être inscrit, mais vous ne pouvez pas sortir. Donc l'humanité est dans une bonne mesure captive de ces communautés traditionnelles qui dépendent donc des institutions. Alors évidemment, pour s'envisager comme des ressources, ces institutions traditionnelles, ces communautés traditionnelles, elles devraient renoncer à imposer une exclusivité. Elles devraient renoncer à exercer une contrainte morale. Elles devraient renoncer à assigner à leurs membres une identité. Tu es de parents, ton père est musulman, tu es musulman. Ta mère est juive, tu es juif. Tu es chinois, tu aimes la Chine, tu te sens profondément chinois, tu ne seras jamais chinois, puisque tu n'es pas né en Chine et que tu n'es pas ethniquement chinois. Donc il y a
une assignation qui est à l'œuvre dans ces communautés traditionnelles, qui les distingue radicalement des communautés collaboratives. En un mot, ce sont des communautés qui ne respectent pas la liberté des individus et qui imposent une loyauté. Le troisième critère ou parti pris que j'ai identifié dans les communautés collaboratives, et là encore, c'est des partis pris un peu difficiles à identifier. Penser que c'est un droit de s'inscrire et de se désinscrire, ça paraît tellement banal, on a l'impression que ce n'est pas une idée. Mais en fait, si on compare ça aux communautés collaboratives, ben, évidemment, il y a un contraste. Le troisième critère, c'est la définition que ces communautés collaboratives donnent de chacun. Dans les communautés collaboratives, on se définit non pas par son identité, son appartenance, son héritage, on se définit par sa contribution. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Est-ce qu'on va apporter une force de travail, une expertise, de l'argent? Et on ne va pas demander aux gens de s'adosser à une institution légitimante, on ne va pas leur demander un certificat ou un diplôme. C'est chacun qui, librement, sans devoir fournir un acte de naissance ou un certificat, va pouvoir être reconnu par la communauté sur la base de ce qu'il apporte aux autres, de sa contribution. Évidemment, un tel fonctionnement favorise la créativité, favorise l'innovation, puisque chacun peut s'inventer. Et donc, évidemment, beaucoup de choses peuvent s'inventer à travers cette logique de mise en valeur d'une contribution. Donc, on se définit comme on l'entend. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'origine asiatique que je ne vais pas pouvoir devenir le référent, surtout Paris, des sushis. Et il suffit de recevoir des hommages de ses pairs pour être légitime et bienvenu. En somme, les communautés collaboratives reconnaissent le droit de chacun à disposer de soi-même. Et ça, c'est une grande innovation dans le champ social. Quand on est dans le cadre d'une communauté religieuse, par exemple, ben, la prescription, elle n'est pas de contribuer à la communauté, elle est de se soumettre à des commandements, d'obéir, de se conformer, de faire ce qu'on doit faire, d'être un bon représentant de sa religion. Donc, on ne se définit pas par sa contribution, mais par son identité, son appartenance et sa loyauté à des commandements. Un quatrième et dernier critère pour comprendre ce qui distingue les communautés collaboratives des communautés traditionnelles, c'est que les communautés collaboratives sont obsédées par la question de la confiance. Leur boulot aux éditeurs de ces communautés, aux animateurs de ces communautés, c'est de faire s'élever le plus haut possible le niveau de confiance entre les membres. Et pour ça, les moyens sont toujours les mêmes. Une logique de réseau plutôt qu'une logique pyramidale. On n'a pas des masques, on n'a pas des rôles ou des statuts dans l'économie collaborative. On est soi-même nu, quelque part. Et on sait bien que ces statuts, ces rôles, ces masques dégradent la capacité d'empathie. Un autre paramètre très important, c'est qu'on confie l'évaluation au pair plutôt qu'à une autorité surplombante. Donc ce sont ceux auxquels on apporte sa contribution qui vont nous dire si ce qu'on fait est bien ou pas. Alors maintenant que j'ai identifié un petit peu, enfin que j'ai répertorié ces quatre partis pris caractéristiques des communautés collaboratives, je vais pouvoir me demander une version collaborative des institutions, ça donnerait quoi? Alors là, je vous demande de l'indulgence parce que c'est un exercice un peu de prospective, c'est tout à fait risqué. Et j'ai à dessein pris trois communautés, trois institutions plus exactement, qui n'ont vraiment rien de collaboratif d'apparence. Je me suis intéressé au couple, je me suis intéressé à la religion et je me suis intéressé à la loi. Et de manière relativement libre et audacieuse, peut-être, je vais essayer de vous dire comment ces institutions qui constituent les communautés au sein desquelles nous vivons, on peut les envisager sur un mode plus collaboratif. Alors, est-ce que le couple, déjà, est collaboratif? Vraiment pas. Pourquoi je parle du couple comme une communauté? C'est une micro-communauté constituée de deux personnes, mais c'est quand même une communauté. Et le couple, aujourd'hui, c'est le même contrat pour tous. C'est une communauté qui mêle la question amoureuse, à la question économique, à la question sexuelle, à la question des enfants, à la question religieuse,
la question de la transmission. Donc c'est une extraordinaire agrégation de besoins qui sont satisfaits dans le cadre de cette communauté, qui est très peu orientée vers la satisfaction d'un besoin ou d'une aspiration spécifique. Donc elle satisfait pas le premier critère des communautés collaboratives. Donc évidemment, il y a une chance sur 1000 pour que ça marche, une telle agrégation de responsabilités, de missions pour une seule communauté. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans 999 cas, ça ne marche pas. Et au-delà du divorce, ben, on pense à tous ces couples qui restent ensemble par inertie, par peur, par dépendance économique. Donc si on faisait une statistique sur la capacité de cette institution, dans laquelle on vit quasiment tous, à contribuer à notre épanouissement, à développer la confiance, la coopération sur le long terme, ben les résultats seraient dramatiques. Et pourtant, il y a des gens qui savent aimer, et il y a des gens qui savent un peu moins aimer, mais il y a des gens qui savent aimer. Et donc, est-ce qu'on peut pas, sur un mode collaboratif, réinventer un petit peu le couple comme une ressource ? C'est-à-dire que ce n'est pas une finalité, mais une ressource. Le couple ne s'impose pas à nous, mais c'est un moyen de notre épanouissement. On peut imaginer que les expériences que vivent les uns et les autres, elles soient partagées. On peut imaginer que des innovations, des idées, des astuces pour contribuer à ce que la confiance perdure entre les deux personnes, à ce que la coopération s'intensifie au fil des années, soient recueillies et partagées. On peut aider, ce que font toutes les plateformes de l'économie du partage, à expliciter les attentes. Qu'est-ce que veut monsieur ? Qu'est-ce que veut madame ? Est-ce qu'il le sait ? Est-ce qu'on ne peut pas les aider à savoir ce qu'ils veulent ? Et on peut ouvrir les yeux sur cette extraordinaire créativité des couples, sur cette extraordinaire diversité, puisque dès qu'on s'apprête à le faire, et on a lancé, j'ai commencé à lancer une petite démarche de recueil de cette extraordinaire diversité et créativité des couples. Et donc on voit qu'il y a des couples classiques, des couples non cohabitants, des couples asexuels qui donc éliminent la dimension sexuelle de leur relation. Il y a des couples libertins, des couples polyamoureux, des couples célibataires par choix, enfin des couples pardon, où chacun se considère encore comme célibataire dans la durée, des couples... Voilà. Il y a une incroyable diversité et en fait, il y a moyen de chercher le modèle dans lequel on va pouvoir se reconnaître. Et tout l'enjeu va être de se connecter, dans le cadre de ces couples revus à la mode collaborative, à d'autres couples qui ont tout un tas d'inspirations, plutôt qu'à des textes sacrés ou à des articles de loi. Puisqu'aujourd'hui, le couple est prescrit par la loi, l'usage et puis des textes. Alors, un peu plus risqué, je me lance sur la religion. Comment on réinvente la religion en mode collaboratif ? Alors, là encore, est-ce que la religion satisfait ce premier critère d'être spécifique dans l'aspiration qu'elle permet de satisfaire ? Pas du tout. La religion, elle se positionne sur un très très grand nombre de territoires. Elle se positionne sur le besoin d'identité, sur le besoin de sens, le besoin de se sentir appartenir, d'avoir bonne conscience, de vivre en bonne intelligence avec sa condition, d'affronter la mort, de ne pas se sentir seulement un individu. Donc il y a un nombre d'enjeux sur lesquels elle se positionne qui sont absolument terribles, incalculables, les religions. Et elles y répondent, à ces enjeux, les religions, à travers des prescriptions. Il y a une doctrine à laquelle il faut adhérer, il y a des rites qu'il faut suivre, il y a des interdits alimentaires à respecter, des règles pour la vie sexuelle, pour le comportement, pour l'union amoureuse, pour la mort. Alors, comment une religion un peu plus collaborative pourrait se positionner, pourrait se réinventer. D'abord, elle se définirait comme une ressource. Elle ne mettrait pas Dieu en son cœur, elle mettrait l'homme. Elle se dirait, je suis là pour contribuer à ce que les hommes se connectent les uns aux autres, et s'épanouissent et puissent trouver des réponses à leurs questions et des réponses à leurs aspirations. Et elle mettrait en commun tous ceux qui s'intéressent à son héritage, puisque les religions ont un héritage très riche. Et l'idée, ce ne serait évidemment pas qu'elles constituent une nouvelle autorité, mais qu'elles constituent un genre de territoire, un peu en mode open source, un territoire que des gens peuvent cultiver ensemble en partageant leurs expériences, un peu comme on l'a fait pour le couple tout à l'heure,
leurs innovations, leurs idées, leurs rites. Et si on prend un exemple spécifique, par exemple, les religions sont très souvent mobilisées au moment de la mort, à l'approche de la mort, ou quand on a un proche qui disparaît. Alors, est-ce que les religions sont efficaces? Est-ce qu'elles savent bien nous accompagner dans cette relation avec notre finitude? Eh bien, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout évalué, on ne le saura sans doute jamais, mais si on en croit le spectacle, on se rend compte que, ben, précisément parce que la religion ne se pense pas spécifiquement autour de cette aspiration à bien vivre sa mort ou celle des proches, ben, les résultats sont un peu désastreux. Donc les gens ne savent pas se préparer, ils ne disent pas au revoir, ils ne disent pas s'ils veulent qu'on fasse une autopsie ou pas, ils ne disent pas ce qu'on doit faire de leurs vêtements, de leurs livres, de leurs secrets, de leurs fichiers informatiques, de leurs pages Facebook. Ils ne donnent pas d'indication sur ce qu'il faudrait faire pour que ceux qu'ils ont envie de protéger, qu'ils ne pourront plus protéger, soient protégés. Voilà, c'est ça la mort. Et ben, ce n'est pas du tout construit. Alors là encore, je me suis lancé, j'espère qu'elle verra bientôt le jour, dans une petite application qui permet un peu de rencontrer tous les enjeux qui sont dissimulés. Et pour moi, une religion qui serait collaborative, donc moi je suis tout à fait athée, hein, donc je parle ça de l'extérieur, c'est parce que l'humanité est captive de ces communautés traditionnelles que je m'y intéresse. Mais voilà, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser. Comment on va répondre à toutes ces interrogations que j'ai listées sur ce qu'on veut, ce qu'on doit faire de nous, de notre patrimoine numérique, etc. Ben ça pourrait être une des ambitions de la religion, c'est nous aider à nous accompagner. Troisième et dernier exemple que j'ai envie de prendre, je vais être plus court, la loi. Donc la loi, elle unit une communauté nationale. Alors on prend par exemple un exemple, le marché de la location. Donc il est régi par des lois très nombreuses, il y a une réglementation extrêmement lourde. Et là on voit que le marché de la location est catastrophique, il y a très peu de confiance entre les locataires et les propriétaires. Trouver un appartement dans lequel se loger est incroyablement compliqué, il faut fournir des tas de pièces parce que la confiance est rompue entre les locataires et les propriétaires. Et pour les propriétaires c'est horrible, quand il y a des impayés ça peut durer très longtemps, il y a des procès, enfin, tout ça est terrible. Pourquoi on en arrive là ? Bah parce que la loi, aujourd'hui, elle n'est pas du tout conçue comme un outil de médiation. Elle n'est pas du tout conçue comme un moyen de contribuer, comme c'est le cas dans les plateformes collaboratives, à la cohésion, à la confiance. Et faire de la loi dans le cadre des relations, par exemple, entre les propriétaires et les locataires, ça voudrait dire considérer qu'on va être ensemble, qu'on va se parler, qu'on va chacun exprimer nos besoins, nos envies, et on va déterminer les conditions de la confiance. Et si Airbnb ou Bedicasa, pour reprendre ces deux exemples, y arrivent bien à créer cette confiance, pourquoi pas Hollande, pourquoi pas nous? Alors en conclusion, je voudrais dire que bah, les institutions ont beaucoup à gagner à devenir collaboratives. Elles peuvent bien sûr considérablement élargir leur audience. C'est quand même triste qu'il faille être musulman pour pouvoir profiter de cette tradition, de cet héritage. Pourquoi ce ne seraient pas des ressources disponibles pour tous? Si elles étaient plus collaboratives, elles inspireraient de la gratitude. Pensons un instant à la sécurité sociale. Qui dans sa vie éprouve de la gratitude pour cet extraordinaire système qui est au fond relativement collaboratif dans sa genèse, dans son intention, puisqu'on mutualise notre santé, les coûts liés à notre santé? Eh bien voilà, s'il y avait de la liberté, il y aurait de la gratitude. Il y aurait peut-être même l'envie de s'impliquer. Si les institutions étaient plus collaboratives, elles seraient plus créatives aussi. Aujourd'hui, les églises sont vides, les synagogues le sont relativement aussi. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être faire une place aux fidèles, si on a envie de les... Ce qui n'est pas du tout mon intention, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que voilà, elles ont un objet et elles le remplissent pas très bien aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des grandes communautés traditionnelles ont un noyau collaboratif. Et juste en dessous de la surface, il suffit un peu de gratter et on retrouve que souvent, au point de départ, il y a des hommes qui sont réunis autour d'une intuition qui les a un petit peu exaltés et qui se sont dit, bon, on va fonder la sécurité sociale, on va créer des modèles d'épanouissement.
Voilà, je vais me terminer puisque le temps s'écoule en vous invitant à venir me voir si ça vous intéresse, bien sûr, de travailler là-dessus. Et puis en remerciant WeShare, toute l'équipe de WeShare, en remerciant bien sûr Antonin et en vous remerciant vous. Voilà, merci à vous. Merci Nathan. Je propose qu'on prenne une question parce qu'on est déjà en retard sur le programme. Est-ce qu'il y a une question dans l'audience? Et si on... Une question là-bas. Hop. Oui, bonjour. Très rapidement, une question. Vous l'avez abordée à la fin sur la notion de loi. La loi collaborative, donc vous avez parlé du marché de la location, mais je voudrais, donc si je reprends les définitions de la collaboration, enfin, que vous avez apportées, les trois, quelle est la différence entre une institution et un ressource collaborative, j'ai du mal à voir un système comme le système de la loi, qui est un système vraiment prescriptif. Vraiment issu comme collaboratif, comme vraiment une vision de ressources. Alors, on parle du marché du travail, je comprends, mais j'ai une autre question. Il existe la loi, comme la sécurité sociale, est aussi une ressource. Donc, je voudrais savoir c'est quoi une loi, enfin, peut-être un peu plus dans le détail. Quel serait le modèle pour l'élaboration d'une loi collaborative? Vraiment, c'est ça que je voudrais savoir. Merci. Alors la loi est quelque chose qui énonce aujourd'hui avec autorité, de manière contraignante, un comportement auquel se conformer. Et la loi n'est pas conçue comme le cadre dans lequel un marché va pouvoir se structurer, que ce soit un marché avec de l'argent en circulation ou non. Ce qui est important, c'est que la loi ne se conçoit pas comme la clé d'un marché. Et une loi collaborative, pour moi, c'est une loi où, un peu comme on le fait quand on lance une plateforme de partage, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens à gauche qui sont prêts à proposer quelque chose, et puis des gens à droite qui sont prêts à demander quelque chose à ce que les autres peuvent proposer. Et on va se battre, on va passer des heures à écouter les uns et les autres pour trouver un terrain d'entente. Donc une loi élaborée sur un mode collaboratif, c'est une loi qui met dans une même pièce les riches propriétaires et les pauvres locataires, ou les propriétaires modestes et les locataires modestes, aisés. Et on va se battre pour déterminer les conditions dans lesquelles ces deux communautés vont se faire confiance, ces deux communautés vont vouloir coopérer sans se demander 53 pièces justificatives des revenus, sans se tracasser à chaque fois qu'il y a une petite fuite ou un petit robinet en disant « Ah, c'est pas ma responsabilité, c'est au proprio de payer, etc. » Comment on fait pour que les rapports au sein de cette communauté constituée des propriétaires et des locataires soient bonnes? Donc une loi collaborative serait une loi qui n'est pas là pour interdire, mais pour favoriser des opportunités. Si vous regardez les dynamiques, les plateformes de partage, on n'est pas dans l'éthique, on n'est pas dans la morale. On ne demande pas aux gens de faire comme ci ou comme ça. On leur propose des opportunités. On spécifie très très précisément les engagements qu'on demande à chacun de prendre. Et puis, à un moment donné, ben voilà, quelque chose se passe qui dépasse la simple conformité. Il y a une gratuité parce que la relation de confiance s'institue. On va en donner plus, on va passer le temps, on va être dans la gratuité, précisément parce qu'il y a de la confiance. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Merci, Nathan. Je crois qu'on peut t'applaudir pour cette intervention. Merci beaucoup.